Je vous retrouve ce matin. La semaine dernière, nous avons reçu notre tout premier kit PandaCraft. Pour ceux qui ne connaissent pas PandaCraft, c'est tout simplement un petit mensuel éducatif que vous recevez pour les enfants. Il y a deux tranches d'âge, donc il y a les 3-7 ans et il y a les 8-12 ans, je crois. Donc c'est un petit manuel, vous recevez tous les mois une activité à faire avec votre enfant et tous les mois un petit fascicule qui explique un petit peu... pourquoi cette activité, d'où ça vient, tatati tatata. Bref, nous avons reçu donc notre premier fascicule la semaine dernière. C'était sur le thème des Vikings. Donc le tout premier, vous pouvez choisir. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes. Nous avons choisi des Vikings parce que c'est un thème en plus qu'on aime beaucoup avec son papa. Bon, ça ne le sait pas, mais on aime beaucoup la série Viking d'ailleurs. Donc voilà, donc moi j'étais contente qu'elle choisisse celui-ci. Et donc nous avons fabriqué un Drakkar. Alors c'était la semaine dernière, je vous laisse tout de suite avec les images de la semaine dernière et puis je vous reprends après. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, après-midi même. Et regardez ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons reçu donc le PandaCraft Explore. Donc notre tout premier PandaCraft sur le thème des Vikings. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, Margot est déjà à fond. Hein, en même temps, ça fait deux jours qu'elle me le demande, deux jours que je dis « Attends, pas tout de suite, attends, pas tout de suite, attends, pas tout de suite. » Là, on est à deux donfs. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, on reçoit, je vous montre un peu, hein. On reçoit donc ce joli petit carton. En plus, il y a une petite paire de lunettes avec des sapins dessus, c'est génial. À l'intérieur de ce petit carton, nous avons donc un petit fascicule, donc un petit livre avec des histoires, des petites choses à apprendre. Nous avons un petit plan pour fabriquer donc la construction de ce mois. Donc la construction de ce mois-ci, c'est donc le bateau des Vikings. Donc c'est nous qui avons choisi, vu que c'est le tout premier thème, c'est nous qui choisissons. Là, donc, nous avons Margot qui est en train de commencer déjà à retirer toutes les petites pièces minutieusement les unes après les autres pour pouvoir fabriquer la structure du bateau. Elle est concentrée. Hein. Et donc, voilà, ça c'est la petite enveloppe Ça c'est la petite enveloppe dans laquelle toutes les petites parties de la construction étaient. Alors, c'est de la mousse, hein, pour vous montrer un petit peu la texture. Là, on a des bons petits personnages dans un espèce de plastique assez épais. Et ça, je pense que ça doit être une voile ou une carte au trésor. Qu'est-ce que c'est? Ouh, bah, il y a les deux. Il y a la voile et la carte au trésor. Génial, génial, génial. Eh ben, ça a l'air génial tout ça. Ça te plaît, ma puce? Prête à fabriquer le bateau? Très prête. Très prête? Allez. C'est parti, mon... Kiki. Fierté, 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 regardez-moi ce magnifique petit bateau viking. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Avec des personnages et des rames dessus. Waouh! Il est trop classe, hein? On n'a pas mis tous les petits trucs parce qu'il y en a un qui a déjà chu et je trouve pas que ça ajoute énormément de charme au bateau, donc...
Voilà, hein, on va pas faire des trous partout. Ce serait dommage. Il est beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon cœur? Ouais. T'es fière? Ouais. C'est qui l'a fait? C'est nous. Bravo. Voilà, il y a assez d'eau, là. Bah oui. Allez, on teste maintenant. Va chercher le bateau. Vas-y. Je t'attends. Oh, mais regarde. Mais ne serait-ce pas un bateau qui flotte? Il flotte. Ça te plaît? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de ce kit PandaCraft? Ça t'a plu de faire cette activité? Oui. Et c'était pas trop dur? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est très très joli. Et oui. Tu as trouvé ça dur ou pas? Non. Non, tu as trouvé ça facile à comprendre et amusant à faire? Oui. Ah, chouette. Qu'est-ce que tu as préféré faire sur le bateau? T'as préféré mettre les voiles, la voile, pardon, mettre les rames, mettre les petits personnages? Qu'est-ce que tu as préféré faire? J'aurais aimé mettre les petits personnages en premier. Bon ben voilà notre petit test, donc on l'a monté en un peu en une bonne heure, hein. Oui, c'est vrai qu'on y a passé quand même une bonne heure. Voilà, j'espère que ces images vous auront plu, que vous avez trouvé ceci intéressant, que vous avez aimé le résultat. Nous en tout cas on a adoré le faire avec Margot, vraiment ça nous a beaucoup plu et j'ai hâte de recevoir le prochain. Je ne me rappelle pas d'ailleurs le prochain sur quel thème il sera, mais voilà, nous avons hâte de recevoir le prochain. Je vous ferai un petit... ça fait les bras et de ouf. Je vous ferai un petit récapitulatif au bout de 6 mois, parce que là on a reçu qu'un seul kit, donc c'est un petit peu tôt pour dire si nous sommes vraiment ravis ou pas. Pour le moment, le seul petit bémol que je mettrais, effectivement, c'est peut-être que le fascicule est un petit peu trop évolué pour Margot qui a 3 ans. Il est très intéressant, mais effectivement à 3 ans c'est peut-être un petit peu beaucoup. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà le kit PandaCraft, ce que vous en avez pensé. Si quelqu'un se pose la question un jour, est-ce que j'achète ou pas, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, ça pourra toujours intéresser quelqu'un. Et ça pourra m'intéresser moi aussi, parce que donc je commence cette aventure, mais je ne sais pas si cette aventure va nous plaire sur le long terme. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne. Sans vous, cette chaîne ne peut pas vivre. Sans vous, cette chaîne ne peut pas survivre. Commentez-la, likez-la, partagez-la, faites-vous plaisir. Sans vous... ceci ne peut pas être fait, donc je vous laisse maître de la situation. Je vous dis au revoir, bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.